Gingerred, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, et vous ? Vous êtes Miss Pin-Up. Alors, je suis Pin-Up, je ne suis pin-up. Pas Miss Pin-Up. Je suis... Parce que vous avez un look Pin-Up, c'est année 45-50. C'est ça, exactement. Est-ce que vous pouvez faire un tour sur vous-même, s'il vous plaît ? Donc, vous avez des authentiques bas coutures. C'est ça, authentiques bas coutures. Authentique ombrelle. Vous avez une ombrelle de l'époque, qui à l'époque, pour les dames, servait de un petit peu d'arme de défense. Voilà, c'est ça. Vu que le pommeau est en acier, c'est ça. Et quand elles étaient opportunées, elles donnaient un petit coup de matraque. Et ça calmait. Et plus la pointe. Voilà, exactement. C'est pour éconduire les messieurs un peu trop entreprenants. Voilà. Déjà à l'époque, il y avait des hommes qui étaient un peu trop entreprenants sur la voie publique. Malheureusement. La voilette aussi est d'époque. Oui. 1940. Avec une petite coiffe, un petit bibi, ce qu'on appelle. Un bibi voilette. Petit bibi. Voilà, avec voilette punti, tout est d'époque. Et le reste, c'est en coton. La reproduction, voilà. C'est ce qu'on appelle les repros. Oui. Mais pareil pour les costumes d'époque. Pour du costume d'époque. Et en dessous, il y a bien un corset avec de la baleine métal. Des baleines en métal ? Oui, la baleine métal. C'est du corset de cérage. C'est pas trop dur à supporter ? Non, je suis habituée. Ouais. Je suis habituée, voilà. On serre fort, c'est ça ? Oui, on serre fort. Oui. C'est à l'époque de nos grands-mères. Hein ? Exactement. Oui, exactement. Et c'était vraiment ça. C'était leur quotidien. Bon, alors, je pense qu'elles étaient beaucoup plus drastiques que moi. Ouais. Elles serraient vraiment fort. Moi, j'arrive à respirer, ça va. Elles souffraient en silence à l'époque. En silence, il faut souffrir pour être belle. C'est ce qu'on me disait quand j'étais petite. Alors, vous représentez également une association qui vient en aide aux femmes qui ont eu un problème de cancer du sein, qui ont subi une reconstruction mammaire, et donc vous leur proposez des tatouages. C'est ça. On travaille avec deux tatoueuses qui ont accepté d'œuvrer gratuitement, hein, puisque nous, en tant qu'association, on paye le matériel aux tatoueuses pour éviter qu'elles investissent financièrement. Elles offrent leur art. Donc toutes les femmes qui ont des stigmates du cancer du sein, donc la perte d'un sein, de deux seins, des cicatrices qui les empêchent de sortir du carcan de la maladie, on leur propose en fait de passer par le tatouage d'ornement. Donc on n'offre pas du tout des mamelons, on fait vraiment du tatouage d'ornement pour donner un effet de volume aussi. Voilà, ça peut être très trompe-l'œil pour des femmes qui ont vraiment une différence de taille entre deux seins. Voilà, c'est une manière autre d'aborder la maladie et sans repasser par la case hospitalisation, opération, chirurgie. Voilà, exactement. Et on vient aussi en aide aux femmes qui ont subi des violences conjugales. Voilà. C'est un sujet que je connais malheureusement bien, un peu trop. Et donc du coup, voilà, c'est un choix personnel vu que je préside l'association. Et donc nous sommes plusieurs à œuvrer, quatre bénévoles, quatre membres du bureau. Donc c'est une association à but non lucratif. Voilà, et beaucoup de bénévoles, des femmes et des hommes, passionnés beaucoup d'automobiles et de vintage. Voilà. Belle cause. Pour les automobiles. Donnez-nous les coordonnées de cette association. Alors ça s'appelle les Crazy Black Cats, hein. Voilà. Donc les chats noirs fous, si on traduit ça en français. Voilà. Un site internet ou un téléphone. Une page Facebook, voilà, une page qui s'appelle les Crazy Black Cats, voilà, association à but non lucratif, c'est bien indiqué dessus, voilà, sur Facebook, ou en simplement en cherchant mon pseudo Gingerred sur Facebook, on trouve très facilement. Voilà, on fait appel aux dons régulièrement, parce qu'on donne juste de nos personnes bénévolement, sur plein de choses, pour des bonnes causes. Et merci pour ce que vous faites. Je vous remercie aussi pour l'attention. Gingerred, merci à vous. Merci. Et bon salon rétro-mobile. Merci. Merci. Au revoir.